Ce sera sur le paysan, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Champ de France V3 finale pour la pépinière du moulin. Donc ici vous faites, on va aller voir ce qu'on fait dans le bureau. Il y a le petit camion qui est dans les modes. Vous avez aussi la remorque qui est dans emplacement remorque. Donc faut bien penser à acheter le terrain avant en allant là et faisant sur X et vous appuyez clic gauche dessus et vous achetez. Moi je vais pas le vendre sinon ça marchera pas. Donc on va ici, donc ici on va faire du peuplier. Des arbres aussi. Donc il vous faut de l'eau, du compost, des reins de semis et des palettes. Donc les palettes, c'est à faire de la scierie que vous pouvez transporter ici. Les reins de semis, vous allez dans le magasin, vous faites les marques, vous allez dans le lisard. Lisard, c'est où? Lisard, voilà, toc toc. Et vous cherchez. Je vais l'avoir passé à tous les coups. Ah non, c'est ici. Vous achetez ça au magasin. Que vous emmenez ici. Donc aussi il y aura besoin de palettes il y aura besoin c'est aussi de caisses en plastique. Il y aura besoin aussi de vous allez dans palettes et vous allez chercher des cartons aussi.
on va le vider. Donc il en faut pas mal. Donc pour ceux qui savent pas faire compost, vous allez voir juste à l'instant, je vais vous expliquer. On va vider la benne là. Et je vais faire un petit coup d'effonce juste pour remplir la benne de paille. En fait, vous moissonnez, vous faites des ondins, vous ramassez les ondins avec une auto-chargeuse et vous les placez dans un silo. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Là, vous avez la paille. Donc bien sûr, pensez à acheter le terrain. Donc voici la petite remorque avec le camion qui était en mode avec la map. Bon, je vais pas jouer très réaliste. Donc je vais couper à travers le champ. Donc après on va voir les serres, mais on va partir avec la citerne à eau. Donc vous voyez, vous avez deux silos que vous trouvez dans silo ici. Hop. Voilà, c'est celui-là. Le simple bunker silo. Donc je vous conseille de faire, si vous l'avez pas fait, si vous connaissez pas, vous faites CTRL J. Bah bien sûr, faut que je descende le tracteur, vous faites CTRL J. Vous allez dans les paramètres et vous couchez activer le placement d'objets à améliorer. Et après vous les placez. Où vous voulez, moi j'ai placé j'ai acheté le terrain à côté parce que ça n'achetait pas le terrain à côté. C'est juste pour vous montrer. Donc vous venez avec votre paille. Ça peut être n'importe autre chose. Vous faites CTRL I pour vider. Et sur le tassement, il se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de tasser. Je comprends pas pourquoi la benne se lève pas plus. Bizarre. Toc. Voilà. Ah, j'ai fait la boulette. Bon, c'est pas grave. Donc vous sortez de là. Hop. Et normalement. Vous venez là. Dans le silo, vous le recouvrez. Et fermentation de compost. 1%. Donc pour le couvrir, il faut appuyer sur la touche R. Donc voilà. On va prendre la citerne d'eau, on va finir l'eau là-bas. Et un grand merci à Cocorico pour m'avoir aidé aussi. Alors l'eau normalement c'est ici, vous voyez, le trigger est ici. Voilà. On va vider un peu d'eau, puis après bah là vous avez tout vu quasiment. Ah non, vous avez pas tout vu. On va arrêter à 50%, comme ça ils ont de l'eau quand même. Voilà. Je vais vous faire voir comment sortir les palettes. Alors pour sortir les palettes ils vont spawner ici. Donc vous retournez ici. Ou ça vous pouvez le faire de avec le CTRL G. Vous allez ici, vous appuyez sur R pour le menu. Donc il y a peuplier, sapin et arbustes.
Donc vous choisissez lequel que vous voulez sortir. Si vous voulez des arbustes, bah, vous faites ici, vous cliquez sur avec le clic gauche sur palette d'arbustes au niveau du coin sortir. Soit vous faites le maximum, donc ça fait 13 palettes. Vous appuyez sur retirer pour en enlever ou ajouter. Regardez, on va en sortir 5, on va descendre jusqu'à 5, on va retirer, voilà, toc. Et on fait sortir. Voilà. Donc après, vous faites ça aux autres aussi, c'est le même manip. Toc. Et les palettes, ils apparaissent ici. Toc, toc, toc. Voilà. Donc les palettes d'arbustes. Les palettes d'arbustes, c'est quoi le logo? On peut les vendre à gamme vert. Normalement, si j'ai pas de conneries. Donc pour ici, c'est quasiment terminé. On va aller voir les serres. Bien sûr, il y a le point de vente Gamber qui permet de racheter les plants de peupliers, pas tout ce qui est à la pépinerie. Donc, pour ici, vous voyez qu'il faut des palettes, du compost. Donc c'est pareil, vous emmenez vos palettes, vous les emmenez. Donc on va en chercher une. Donc j'ai pas fait celui-là encore. Mais je crois que j'ai emmené des palettes. Donc on va commencer par bah voilà, il vous faut encore des rennes de semis. Donc vous les emmenez ici, que vous avez acheté. Vous les emmenez au niveau de la table. Que je dois être complet. Ouais, je suis complet. Donc on va le mettre dehors. Alors il vous faut du compost, des palettes et de l'eau. Bah l'eau il se met devant la citerne ici. Elle se met dans la citerne, les palettes ici. On va aller chercher une palette. On va couper un treillage. Donc à faire, on va prendre une palette qui est tombée. Hop là. Bon, la vidéo, ça se trouve, elle sera un peu longue, mais c'est qu'il y en a long à expliquer. Donc j'espère que ça vous plaira. Toc. Vous prenez vos palettes, vous les emmenez ici, voilà. Bon, voilà, ça vous les prend. Donc le compost. Le compost, on va prendre les nouveaux landes, il y a le compost dedans. Donc ça vous fait des plants de poivrons, tomates et salade, pour pas vous tromper. Donc, vous venez avec une benne, vous reculez au niveau de là. Puis vous remplissez le petit bac qui va se remplir et bah il en faut pas mal. Donc je vais éviter d'en mettre tout entièrement. Voilà. Alors une fois que vous avez rempli le compost qui va ici, les palettes qui va ici, puis l'eau. Normalement, ça va spawner ici, là au niveau de là, ou d'autre côté peut-être. Normalement, tout est rempli pour les poivrons. Voilà, compost, eau, palettes et rennes de semis. Donc après, avec ces plans,
que vous avez, les tomates. Vous pouvez les vendre à Quimper ou soit les emmener autre part. Donc vous voyez, on va prendre de la salade. Moi je prends la salade, c'est comme le reste, ce sera plus des tomates. On va aller prendre des tomates, tiens. Aussi. Donc vous pouvez les vendre aussi. Bah, je dois me répéter, je dois les. Ça se vend en gamme verte aussi. Alors pourquoi j'ai des caisses en plastique? Ouais, pourquoi il y a eu des caisses en plastique et des cartons? C'est parce que faut placer les serres plaçables. Je vais vous faire voir. Donc ça c'est la salade. Donc faut placer. Ouais, je suis perdu, donc on va aller. On va faire comme ça. Et vous allez dans le champ de France, voilà. Normalement ils y sont. Voilà. Les rangs de serres de salade, les petites serres de poivron et les rangs de serres à tomates. Faut que vous les placez sur un terrain bah, comme là, comme j'ai fait. Faut l'acheter. Ah, faut acheter le terrain, faut les placer. Avec... Une fois placé, bah, faut venir remplir du compost ici. Voilà pourquoi il faut des palettes en plastique et des palettes européennes. Et ça fait du biomasse que vous pouvez retransformer en compost dans le silo. Donc là ici, c'est les salades. Vous voyez, il faut du plant de salade aussi. Il n'y en a plus. C'est pour ça que j'en ai emmené. Vous les prenez. Voilà. Vous les emmenez. Et sûr, faut le mot de force pour prendre les palettes. Ah, le trigger il se trouve par là, là. Donc vous prenez votre palette et. Ça doit être plein. On va aller voir si c'est plein. Alors. Plein de salade? Bah non, c'est pas plein. Bon bah. C'est peut-être moi, comme ils sont renversés, faut peut-être que je les tourne. Voilà, c'est que je me suis mis pas au bon endroit. Voilà, faut les mettre dans le bon sens. Donc toutes les serres fonctionnent pareil. Hop là. Ah, il en reste une, on va la mettre. Ah non, il en reste deux. Hop là. Hop là, voilà. Donc je vais faire un tour avec le compost, les citernes pour vous faire voir où ça se situe. On va charger quelques tomates. Et on va aller les vendre à Gamber.
Vous pouvez aussi les acheter dans... Acheter les plans dans le dans le magasin directement. Vous allez ici. Alors je cherchais parce que je les ai vus, mais non, c'est plutôt ici. Palette, voilà, vous les avez ici. Donc ça évite que vous les fassiez ou... Toc. On prendrait une palette d'arbres de d'arbus pour les vendre aussi, comme ça vous verrez aussi en même temps. Mettre les sangles. Donc l'eau il se met ici. Ça se trouve, il n'y a même pas besoin d'eau que normalement si. Mais... Voilà. Vous mettez comme ça là et puis puis vous videz. Voilà, il n'y a plus besoin d'eau. On va essayer automate. Bien sûr, je recule comme un pied. Voilà. Voilà pour l'eau ici. On va la mettre l'eau de l'autre côté. Donc l'eau elle se met... C'est comme le maraîchage, c'est le même principe. Donc, vous venez ici. Vous mettez l'eau ici, voilà, comme ça. On en met un peu, voilà. Là aussi, comme ça vous voyez que ça fonctionne. On en met à l'autre en haut. Voilà. Hop là. Voilà, il n'y a pas de palette du tout. Regardez. Moi, je coupe à travers le grillage, mais ça se... Ça se fait pas de couper à travers le grillage, mais bon. Du coup, la palette... On va la laisser là. C'est une question pour aller un peu plus vite. Donc vous allez voir en allemand. Alors ici, il y a de l'eau, il faut du compost, des palettes et du carton.
Donc vous venez avec votre carton, finalement, il doit se prendre là. Il va me faire mentir. C'est bien du carton qu'il faut ici. Caisse en plastique. Ah, je me suis trompé. C'est normal que ça prend pas. C'est des caisses en plastique qu'il faut. Voilà, c'est mieux. Regardez, vous emmenez votre caisse. J'adore quand ça fait ça. Vous emmenez la palette ici. Bah, l'eau, vous avez vu. Et le compost vient se vider ici. Toc. On fait une deuxième fois. C'est bête, c'est que les palettes faut attendre comme ça. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Et les semences, bah, ils viennent sur le côté. Bon, vous avez quasiment tout vu. Je vais vous faire voir comment les sortir. Bah, c'est comme comme les palettes à bois pour les pour le bois, bah, les arbustes et tout ça, je vous ai montré tout à l'heure. Hop là, voilà. Et les plans, c'est toujours au même endroit. Je sais pas si j'en ai de près. C'est quoi? Là, c'est les poivrons. Est-ce que j'avance le temps un peu? Comme ça, je verrai si les poivrons. Ah bah, j'ai encore un sac ici. On va l'emmener. Donc, on va le poser sur le sac. Bah oui. Ah bah oui, les poivrons c'est ici. Donc vous voyez, les poivrons ils spawnent là. On va prendre une palette juste pour vous faire voir. Voilà, et là vous attendez ici sur le côté. La palette descend. Voilà, puis après il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Quand tout est bien rempli. Donc pour sortir les palettes, vous retournez au petit panneau. Vous appuyez sur R, c'est le même principe. Là, vous appuyez sur la salade maximum, ça fait 3 palettes sortir, et les palettes Tispounou. C'est bonne question, j'ai pas essayé. Voilà, les palettes Tispounou ici. Et là, comme c'est la palette de salade, donc vous allez là, ici, vous allez sur salade, qui est ici, et le shop, c'est y a gamme vert, il y a le petit shop, il y a le transport le rang, et le marché de campagne. Donc c'est la même répétition pour les tomates, pour les poivrons. Regardez, on va. Je sais pas si des poivrons de feu. Poivrons, non, je n'ai pas encore de feu. Le temps n'est pas passé. Mais les tomates, certainement.
que vous êtes ici, vous faites R, vous cliquez sur tomate, vous faites maximum, donc ça fait cette palette, sortir. Pour sortir, il faut faire échappe. J'avais oublié de le dire. Mais bon, je pense que tout le monde le sait. Hop. Et voilà les palettes de tomates. Donc c'est un roulement, donc faut faire là. Pour faire les serres là-bas, c'est pas mal. Donc on va prendre le petit master et puis on va aller charger j'aurais dû prendre l'euro camion mais on va charger comme le portugais. Voilà. On va aller prendre une palette de salade, comme ça vous voyez en même temps. Un petit chargement de manouche. Voilà. Donc après le biomasse vous pouvez le retransformer en compost. Donc vous avez juste à le remettre dans le silo qu'on a placé tout à l'heure. Il y a un cave aussi de chargement là. Je vais vous faire voir Gambert comment que c'est. En tout cas, je remercie à vous tous pour les abonnements et les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir aussi de faire les tutos. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai, bien sûr. Allez, nous voilà à Gambert. L'entrée est ici. Si je me renverse pas avant. On va aller au quai de déchargement. Touc. Là. Bien sûr, faut décharger tout à la main. Voilà, vous emmenez. Voilà, 14 000. Bah franchement, voilà. La palette 17 000. Bon ça faut. Les vendre un par un, comme ça. Là. Donc voilà, je vais pas tous les faire. Je vais faire celle-là et ce sera bon. Je dis ça, mais j'en fais une autre. Alors par contre, quand vous avez commencé ça, et ben ça y va la production de la plante de poiron. Toujours marqué. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. C'est la fin du petit tuto. Mais bon, je pense qu'il était assez long, moins une demi-heure.
Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc sur ce, je vais vous dire, passez une bonne journée et à bientôt. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas de lâcher des commentaires si vous avez besoin d'aide. Bonne soirée à vous.